viens de faire deux places pour aller au théâtre samedi prochain, ça te dirait? Ah ouais, j'aime bien le théâtre. Comment s'est passé le rendez-vous avec la banque? Oh, la banque! Je n'avais pas autant ri depuis ma pneumonie. Vous ne pouvez pas nier, Fleur, que nous sommes dans le rouge. Ça tombe bien, c'est ma couleur préférée. Mmh. Approchez. On fusionne. On additionne nos parts. On a 60, elle 40. Du coup, on est majoritaire. Bye bye la vioque. Ah. Vous perdez le sens comme un mon petit. Je ne trahirai jamais, Fleur, jamais. Je crois que c'est une histoire d'amour. Ouais, bah, les histoires d'amour, j'en ai connu assez pour savoir que c'est pas marrant, alors. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Le type a dit que c'était excessivement bien payé. Alors c'est ton thermomètre? Parce que c'est bien payé, on envoie sa femme au casse-pipe et tant pis pour les égratignures. Oh. Elle est devenue muette? Oh non, ça, ce serait magnifique. Trouve de roi, mon diable! La crête de Norse! Qu'est-ce que vous dites? La crête de Norse! Je comprends pas, là! Oh là là, ah oui, la ressemblance est vraiment frappante, hein. Bah, noter que pour des jumelles, c'est quand même la moindre des choses, hein. Mais vous lui ressemblez, du coup! Les clients le lui disent tout le temps! Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, Cécile? Oh, moi! J'aurais bien une idée! Vous me prenez pour un traître, c'est ça? Il a dit qu'il faut. Petite boule de mal. Oh! Oh, le scandale! Est-ce que mon avocat a appelé? Je suis extrêmement inquiet pour vous. Ah oui, moi, c'est pour le groupe que je m'inquiète, figurez-vous. Toute apparition de Miss Beauté durant son mandat doit être digne, décente et habillée.